Le 16 décembre à venir, Jean-Pierre Foucault assumera la présentation du concours Miss France. Toutefois, il convient de noter qu'il a été victime d'un arrêt cardiaque il y a quelques mois. Des informations récentes sur sa condition de santé ne sont pas disponibles, mais il est à noter que le présentateur émérite, associé de longue date à Qui veut gagner des millions, se fait de plus en plus rare sur les écrans. Actuellement, il est rapporté qu'il participe au tournage de la fiction intitulée Meurtre sur la Côte Bleue, une production destinée à France 3. Ainsi, l'animateur a décidé de prendre un moment de retrait vis-à-vis de TF1 pour se lancer dans une nouvelle aventure, comme il l'a confié à TV Mag. J'en ai discuté avec TF1 qui a eu la grande élégance de me permettre de le faire. Cependant, il est à noter qu'il retrouvera bientôt la première chaîne pour assurer la présentation du concours Miss France. Cette transition vers de nouveaux horizons semble susciter un certain stress chez l'animateur. Apprendre un texte représente une tâche que je n'ai plus entreprise depuis mes études secondaires. Cela perturbe mes nuits, occupant mes pensées avec la préparation de mes répliques. Bien que Jean-Pierre Foucault apparaisse actuellement en bonne santé, il convient de rappeler qu'il a été confronté à une sérieuse problématique de santé au printemps dernier. En effet, l'animateur a été victime de deux arrêts cardiaques après avoir pris l'avion. Il a partagé ses épisodes en déclarant à Doctissimo « C'est en descendant de l'avion à Marignane que j'ai ressenti une forte oppression thoracique. » Cependant, une fois de retour chez lui, son état de santé s'était détérioré davantage. « Je n'ai pas été en mesure de monter les quelques marches qui me séparaient de la porte d'entrée. J'ai dû m'allonger par terre, dans le jardin, et nous avons dû faire appel au secours. » Par la suite, l'animateur a été admis en soins intensifs. Pour ce qui est de son état actuel, il a récemment partagé avec TV Mag les développements ultérieurs. « En réalité, j'avais un stent qui s'était obstrué, j'ai donc subi une intervention pour le déboucher, puis j'ai suivi 3 semaines de rééducation ailleurs. » Heureusement, Jean-Pierre Foucault semble aujourd'hui être en bien meilleure santé, comme il l'a affirmé lui-même, « Maintenant, tout va bien. J'ai obtenu l'approbation de la médecine du travail, des assurances, et la mienne car je me sens en pleine forme. »